Yo la famille, ça va quoi? On est là, on se retrouve. Petite vidéo sur Red Dead, astuce secret. Comme vous voyez, il y en a beaucoup qui n'en sortent en ce moment. Moi j'adore ça, vous adorez ça dans l'espace commentaire. Je vois que quand vous manifestez, vous avez l'air de bien aimer. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une astuce, mais un secret. Donc énorme vidéo secret les potos. Je tiens à remercier d'avance Bailo Santos qui m'a envoyé ce secret là. Je mettrai le lien de sa vidéo et de sa chaîne pour que vous voyez de quoi je parle. C'est lui qui m'a envoyé sa vidéo et qui m'a dit regarde là il y a des secrets si tu peux le faire. Grand merci à toi Bailo Santos de me gérer des petits secrets comme ça. Ça me donne des petites vidéos et des petites idées et ça me fait tout voir dans Red Dead. Il y a aussi Wami de la Familia. Gros big up à toi mon frère. Tu m'as envoyé au moins 3-4 énigmes. Je vais les faire dans la semaine mon frérot. Gros big up à toi. Donc si vous avez des trucs à me dire, c'est un message privé les frérots. Vous avez vu tous mes réseaux. Ou même si vous voulez m'envoyer sur la play. Donc là aujourd'hui, le petit secret, ça va être une maison retenue. Enfin une maison d'un psychopathe quoi, d'un fou. Le repère d'un barbare. Voilà la façade de la baraque. En plus le jour où j'y vais, il y a du petit brouillard. Ça fait pas mal flipper, on se dirait vraiment... Vraiment dans le repère d'un barbare. Donc voilà la petite maison les frérots. Premier abord a fait vraiment flipper. Je me mets en première personne parce que vous m'avez dit que vous préférez. Donc il n'y a vraiment pas de porte. Je vais pas non plus mettre 3/4 d'heure. Mais je vais vous faire voir en 2/4 que le bas il est complètement mais verrouillé verrouillé. Localisation à la fin comme d'habitude les frérots. Donc la porte fermée. Voilà. Merci à vous tous hein, pour tous vos petits commentaires positifs, vos petits likes, vos partages. Ça fait plaisir. Sérieusement, les petits vidéos Red Dead, ça fait zizir. Ça change de GTA et ça vous plaît énormément. Et moi, rien que de les tourner ou de découvrir des secrets ou quand on me dit « va voir ce secret-là » et si, 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 ça, d'aller le faire moi-même, je trouve que c'est plaisant. Enfin, ça me fait plaisir. Bon. De premier abord, vous avez vu, tout est totalement fermé. En plus, on va y aller la nuit, donc ça va faire un petit peu plus flipper. Donc, il va falloir y aller par là-haut. Là-haut, on a vu une petite fenêtre qui était accessible, les frérots. Regardez. Hop. Relapote. Excusez-moi, il y a eu un petit problème de vocal. Donc j'ai dû re-envoyer tout. Donc voilà le repère, la famille. Oh là là. Vous voyez, il y a déjà un truc bizarre au bout. Allez, go. Hop. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse, gros. Déjà ça s'apparente à une table de torture. Il y a d'avoir plein de lettres, ça va faire du bien, ça on va trouver plein de trucs. Qu'est-ce qu'il a fait le type? Il a chopé un sanglier pour prendre la tête déjà. Complètement débile. Ah le même masque que j'ai. Je sais pas si je peux le récupérer. Donc il a pris la tête d'un sanglier. Il a voulu mettre des... Un corps d'alligator, d'après ce que je crois, ça c'est de l'alligator. C'est pas des pattes d'ours juste au-dessus. Des ailes d'oiseau, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh là là, il a essayé de te reconstituer un espèce d'humain dégueulasse, mon frère. Les autres portes, elles s'ouvrent ou quoi? Oh, genre, tu rentres dans la maison, il s'est fermé, tu peux pas sortir. Mais allez, on va examiner un petit peu la pièce. Hein. Là, je vais prendre ma lampe torche. Peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair. Je vais tout examiner, comme ça on sera tranquille. Mutant créé par l'homme. Ah. Ah, voilà. Ouais c'est vraiment un mec qui a essayé de créer un humain. Moi qui pensais avoir tout vu en matière de distraction bizarre. Ah c'est moi ça. C'est pas lui, c'est quand on trouve une lettre que c'est ça nous raconte l'histoire. Putain c'est dégueulasse gros, c'est quoi là-dedans? Examiner. On va tout prendre. Oh. Ah ouais il était dans son délire. Sanglier humain. Donc le droit c'est un sanglier et à gauche c'est un humain. Ok. Vachement chelou ce mec. J'ai vraiment qu'il se trimballe ce tueur en série là, ce psychopathe. Un cœur d'ours. 22 OZ, c'est une taille ça. OZ je crois. C'est une taille. Et chelou le mec. Hein. Y'a plus rien. Y'a pas une petite lettre. Ah voilà, fouiller le tiroir. Est-ce que je peux trouver une petite lettre, un...
que dalle. Il y a du matos, hein. Y a rien. C'est vraiment, vraiment étrange. Ça, j'ai fait. Ah, il y en a une dernière. Ah bah, c'est le mutant qu'il a voulu créer. 13 août, la créature est prête. Les membres sont dans la classe, tout est prêt dans l'opération. Le jour approche. La créature est prête. Ouais, elle est là. Ses membres sont dans la glace, bah je sais pas qui les a mis. Donc c'est bien, ça va bientôt être fait quoi. Ça c'est des ailes. Ailes de vautour. Ok. Ah bon, en fait il dépièce tous les animaux pour se faire un humain. Là, y a rien. Non, y a rien du tout les amis pour l'instant. Une tête d'humain. Je sais pas quoi, un petit animal sans tête. Il est vachement chelou le mec. Ouais. Bah voilà les amis. Je pense qu'on a tout fait. Ah, il y a un petit carnet. Que dalle, que dalle. Fermé le tiroir. Ah ouais. Il y en a un autre. Il y a rien du tout les amis. Rien, rien, rien du tout. Ça c'est... Ah, un espèce de... Vous voyez, regardez. Un petit squelette. Ah. Ah, il s'est fait ses petits délires le mec. Hein. J'aimerais bien qu'on le rencontre le psychopathe au fur et à mesure les amis. Bah voilà les potos. Donc sur ce, j'ai tout fait. J'ai tout fouillé. Il y en a à trouver. Je pensais qu'on allait pouvoir trouver une petite pièce qui s'ouvre. Ou une petite lettre, mais non, rien du tout. Vous avez vu, j'ai pris tous les plans. Table de torture, le meuble. Fouiller le meuble, je vais pas ouvrir tous les tiroirs parce que je vais rien trouver, je suis sûr. Ah, bah attendez. Je crois que j'ai trouvé de lettres. Ah non, non, c'est des papiers que je peux pas prendre. Oh là là. Bah voilà, les amis, hein. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose que vous pourrez trouver de collector ou quoi que ce soit. Pour l'instant, vous avez vu, je peux rien prendre. Que dalle. Bah voilà, les amis. Si vous voulez faire un petit tour chez un psychopathe, je vous fais voir la localisation. Et comme je vous dis, je remercie Bailo Santos. Si merde, frérot, c'est grâce à toi cette vidéo-là. Donc je vous mets la chaîne dans la description et la vidéo dans laquelle j'ai vu ça. Localisation, les frères, il me semble que c'est Van Horn. Vous avez vu? Saint-Denis, il est là. Vous allez un petit peu en haut. À côté de New Hanover, et vous allez voir là, il y a marqué Van Horner. Là, il y a la ville, et puis là, t'as un petite maison. Van Over Horner ou Horn, je ne sais pas. Sur ce, la famille, je remercie tout, je vous remercie tous. Bonne fin de matinée, bonne fin de soirée, bonne fin de journée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Merci pour tous vos likes, tous vos commentaires positifs. Et dites-moi s'il faut que je continue à faire les petites vidéos secrets Red Dead. Et merci à tous ceux qui m'en envoient par message privé ou quoi que ce soit pour me faire des petites vidéos parce que c'est sympa les frères. Sur ce, tchuss tchuss la famille.